Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte de la pépite du dimanche soir. Nous sommes donc sur PlayStation 3 et nous allons tester ce Saboteur. Un jeu que je connais pas, mais qui m'a été très fortement recommandé par beaucoup de gens en fait. Voilà. Quittez la belle, dirigez-vous vers l'épingle jaune. J'ai envie de fouiller moi. Moi je suis un fouilleur. Je fouille. Non, je peux pas. Bon, je peux pas. Bon, je vais aller à l'épingle jaune alors. Parce qu'il veut que j'aille à l'épingle jaune. C'est pas mal. C'est de la musique très années 20, 40, 30. Enfin, vieille musique française. Ok, quittez la belle, appuyez pour ouvrir. Point de contrôle. Ok. La police doit y aller. Donc c'est en noir et blanc. Ok. Salut. C'est pas à toi que je dois parler ? Luc, salut Luc. Ah, je vois que t'es plutôt du genre à mourir debout qu'à vivre à genoux. Je préférerais voir les Boches 6 pieds sous terre. Excellent. C'est pendant la guerre. Il y a un dépôt d'essence allemand plus bas. 5000 barils du précieux liquide. Gardé par une poignée de types à moitié bourrés. Mmh. Un endroit qui devrait vite cramer. C'est bien ce que je pensais. On a besoin d'un truc pour allumer la mèche. Je connais un endroit où on peut trouver ce qu'il nous faut. Bah, je veux d'abord savoir un truc. T'es prêt à tuer si c'est nécessaire? Bah évidemment. Ce que je vois, ces connards de nazis ont pris leur billet pour l'enfer. Je vais juste leur dérouler le tapis rouge. C'est elle ma bagnole. Je vais conduire. Ah ok. Ah, c'est moi qui conduis. Alors appuyez sur R2 pour accélérer, oh, sur L2 pour freiner. J'ai repéré une planque allemande pas loin. Je suis sûr qu'ils ne nous en voudront pas si on leur emprunte 2-3 trucs. Frein. Petite question, t'as déjà manié des explosifs? Une bombe, juste une fois. Mais ça non, mais vous êtes sérieux? Je parle sérieusement. Ça va. Qu'est-ce que tu fais là, madame? Je sais ce que je fais. C'est bien ce qui me semblait. Hey, wow! Regarde ça, des nazis, il y en a partout. Cette vermine infeste et salit ma si jolie ville. Ils s'imaginent sûrement être en terrain conquis. Il est grand temps qu'on leur montre un autre sens du mot hospitalité. Ah, j'aime bien l'ambiance. Oh, y a des nazis là. Prends ton temps, madame. Ah ouais, mais bon, à un moment donné, c'est bon, quoi. Waouh, 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 waouh. C'est jazzy. Il y a des nazis partout. Bonjour messieurs les nazis. Ah, je croyais que t'allais traverser, mais... Pardon. Mais il est où ce but? Mais il est immense la map en fait. Encore des nazis. Ah, on arrive. La planque se trouve un peu plus loin. Allons-y. Regarde-moi ces chacals puants. Oh, chacals puants. Alors, maintenir L1. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'était quoi, tout ce merdier? Ah, pas maintenant. Allons-y. Pourquoi ils sont venus me faire chier, eux? Bon, bah, ils se sont fait défoncer, lui. Les caisses sont là-haut.
Mais il faut faire gaffe. Cette planque est une zone à accès réservé. Ah ouais? Parce que t'as fait gaffe tout à l'heure, peut-être? Ouais, je me suis énervé. Ça n'arrivera plus. Mais j'espère bien. J'ai pas quitté un joli bardouillet pour me faire sauter la cervelle. Si on nous repère près des caisses, les Allemands essaieront de donner l'alarme. Dans un premier temps, il va falloir s'occuper de ce garde. Oui. Tu devrais pouvoir trouver des prises qui te permettront d'escalader ce bâtiment. Ah, pas mal. Grimpe là-haut. Mode d'infiltration. Et balance ce sale nazi en bas du toit pendant que j'avance au sol. Tu y arriveras? C'est du gâteau. Je ne connais pas cette expression. Ça veut dire oui. Ok. Alors, il m'a dit que j'avais des prises. Par exemple, ici, non? Escalade. C'est une chartide. Il est où le gars là? Il est par là non? Ouais, il est là. Veuillez signaler tout comportement suspect au bureau politique le plus proche. Est-ce que je peux aller à... Est-ce qu'il faut que je fasse L1 plus... Comprends ça? Je vais même pas transpirer. Aide-moi, l'Irlandais! Il faut les empêcher de sonner l'alarme! Descendre dans la cour. Putain. On va voir ce que ces poches nous ont apporté. Fais péter ces caisses. On a pris de la dynamite. Ces explosifs vont faire l'affaire. N'oublie pas de garder une charge pour le dépôt de carburant. Retournons à la voiture. Retourner dans le... Eh, franchement, il est bien. Ah oui, par contre, c'est pas discret, les... Il est grave bien. Putain, je connaissais pas du tout ce jeu, mais... C'est excellent. Ah merde, faut que je fasse une tête. Comment ça va, l'Irlandais? Je suis toujours inquiet avant de faire le... Est-ce que je peux rouler sur les nazis? Ah, la plupart des mecs auraient déjà flanché. Dis-moi, mon ami, tic-tac, qu'est-ce que tu faisais en Irlande avant de venir dans mon pays? J'étais mécanicien, mais ça, c'est pas des oignons. Mécanicien? La résistance pourrait avoir besoin d'un bon mécanicien. Eh oh, oh! Moi qui ai la flèche. C'est sur le point de changer. Après ce soir, les nazis auront un nouvel ennemi à craindre. Je veux pas aller trop vite parce que je sais pas ce qui se passe si je commence à écraser tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Point de contrôle. Oula, il y a du nazi, il y a du nazi. Juste là. On va devoir faire diversion pour passer cette porte. Les nazis sont entraînés à chercher une explication au moindre coup de feu ou à la moindre explosion. Ça peut devenir un avantage. 10 kilos d'explosifs sur ce camion devraient suffire à attirer leur attention. Ouais, en effet. Commence par grimper sur ce bâtiment. Une fois sur le toit, mets-toi à l'abri et attends jusqu'à ce que le camion explose. Et sers-toi de ce câble téléphonique pour traverser la rue et atterrir au dépôt de carburant. Pendant la Les explications sont très claires. Déplace-toi rapidement et pose une charge sur le premier réservoir de stockage. On se retrouve à la porte quand c'est fini. Fais gaffe à toi, Lyon. Pas monter ici. Si vous ne descendez pas, je vous dénoncerai. Tais-toi.
Elle m'a vu, il y a quelqu'un qui m'a vu et qui veut me balancer quoi. Ça, il y a la poucave. Ah. Il est déjà prêt lui, moi. Attends, mais moi je suis. Il est où le câble? J'ai pas repéré le câble et l'autre il va déjà tout faire péter lui. Eh oh, j'ai pas la main là. Oh, arrête tes conneries là. Ah ouais. Voilà mon signal. Faut y aller. Comment je fais pour m'accrocher? Ok. Lâcher prise. Ok. Me barre. Ouais, la discrétion c'est pas fait. Ah ouais, là, ça a pété là. Bah, enlève-moi ce gros truc là. Ah, je suis dans le mauvais sens. Ok, on va aller dans l'autre sens. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais dégage. Il faut aller à Gare de l'Est. Merde, il faut que j'aille là-bas, moi. Je fais le tour du quartier. Faut prendre Luc. Je suis plus safe là. Faut passer là. T'es où Luc? Luc? Voilà. Mais il est con ce Luc. Tu montes? Nous avons changé le cours de l'histoire. On a juste fait sauter une station essence. Et je dois l'admettre, c'était plutôt joli. Allez, on fonce. Tu te trompes, pirate. Ici, hein. Quelque chose a changé. C'est dans l'air. Tu ne sens rien? Eh ben, maintenant que tu dis... Ce n'est que le début. Nous allons repousser les ténèbres. Ah, libérer cette ville de la peur. Maison après maison. Rue après rue. Se reposer. Et ben voilà, bah on va s'arrêter là. Franchement, parce qu'on voit pas du quoi. Mais franchement, il est excellent ce jeu. Je connaissais pas du tout. Voilà, donc c'était notre petite pépite du dimanche sur la PlayStation 3. Il s'agit de The Saboteur. Franchement, un jeu qui a l'air génial. Et ben merci à tous ceux qui me l'ont recommandé parce que je regrette pas de me l'avoir pris. Voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, laissez-moi votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde.